rappeler que la sélection, c'est la mentalité et puis du jeu. La notion de respect, le respect entre vous, le respect vis-à-vis du staff, le respect de votre club, le respect du maillot, le respect vis-à-vis de ceux qui n'iront pas dans la sélection. Le potentiel athlétique, ça fait partie aussi des exigences du haut niveau, donc du niveau d'excellence, être capable de répéter les efforts. Il ne s'agit pas de faire une montée, revenir, une deuxième, revenir, puis la troisième, on ne la fait pas ou on ne souhaite plus faire les appels. Allez, on va se préparer pour vos vestiaires, pour la tribune. Prenez les sacs, les maillots. Alors le programme, pour le moment, on a déjà fait un match, une opposition plus contre Metz. Aujourd'hui, c'était contre Thionville. Et puis, il nous restera encore un deuxième match programmé, alors peut-être contre la sélection des U15 du Luxembourg. Et puis ensuite, un stage d'une journée. Et enfin, le regroupement le 26 avril pour partir le 27. Alors le groupe se construit petit à petit, il n'est pas définitif, puisque le cadre a été fixé avec les joueurs qui viennent dans la sélection. On leur a dit que le groupe serait définitif quand on partirait le 27 à midi. Et c'est les joueurs qui seront dans le bus, qui partiront pour la sélection. Mais pour l'instant, ça se construit. Il y a des choses qui commencent à sortir, qui deviennent intéressantes, notamment sous le match d'aujourd'hui. Et puis on avance à petits pas jusqu'au groupe définitif. Fais l'effort, Brian. Fais l'effort, on prend le ballon. Ne rentre pas systématiquement. Alors les oppositions, elles sont choisies en fonction de l'avancée du groupe que l'on a, de voir ce qui ressort, de trouver de l'opposition qui puisse répondre à ce que l'on souhaite, notamment sur le terrain, de manière sportive. Et puis on essaye de solliciter différents clubs entre les années passées et puis cette année. On essaye de varier les oppositions et les adversaires que l'on demande.